Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar... La vie, c'est le paradoxe. La vie, c'est en même temps, on prend soin des nôtres, etc. Et en même temps, il y a la guerre en Ukraine. En même temps, il y a des problématiques dans tel endroit, dans tel autre pays. Il y a la problématique des migrants, le drame migratoire. Au niveau général, il y a la problématique liée au climat. Enfin, on vit quand même dans un monde où les difficultés sont réelles. Il y a quelque chose d'assez anxiogène, etc. Mais on vit. On est là jour après jour. On essaye, de maintenir une certaine lumière, en tout cas à notre niveau. Et ben en fait, c'est tout ça, ma musique. C'est dire que comment on va danser sous la pluie. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin, il hurle comme un fakir de la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante. Dit enfin, je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur. Ce que je ressens en travaillant avec un orchestre symphonique, c'est quelque chose de symboliquement fort, de bouleversant, parce que évidemment c'est comme la singularité, on est tous particuliers et les artistes évoluent dans des disciplines particulières. Mais pour moi, ce qui fait véritablement sens, c'est la capacité de dialogue et de rencontre. C'est le sens de tout ça. Et ben, j'ai le sentiment que nous autres artistes, on est capable plus que jamais aujourd'hui de montrer la voie, de montrer le chemin. Il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant, il pleure de joie, souffle et se rassoit désormais. Cette première rencontre, ce travail avec le Geneva Camerata, ce qui est fabuleux en fait, qui est émouvant au plus haut point, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence en fait. C'est vraiment incroyable parce qu'en même temps on sent une unité, mais en même temps on sent la singularité, c'est-à-dire c'est le multiple dans l'un et l'un dans le multiple, et ça c'est assez fabuleux. Et j'ai envie de dire, à mon humble expérience, quand même c'est assez rare. Je suis ému, je suis heureux, et voilà, c'est comme si on se connaissait depuis toujours et on travaillait ensemble depuis toujours. Et ça, je veux dire, ça, c'est des choses qui ne trompent pas. C'est la beauté en mouvement. Il y a quelque chose de réel qui est là. Et il y a surtout quelque chose avec une sincérité véritablement lumineuse. C'est fabuleux.